Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera pour une vidéo pâte chimo. Alors ma maman elle a eu on avait vu des bébés pâte chimo et ma maman aimait bien. Alors on en a fait et après on en a fait toutes les sortes. Alors on va vous montrer plein d'aspects. Il y a aussi quelqu'un qui nous en a fait parce qu'il y en a qui sont bien faits, que nous on n'arriverait pas à faire. Alors je vais poser ici. Hop. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Il y en a beaucoup. Alors, je pense que la vidéo sera longue. Voilà. Ça, hein, c'était là. Alors, je vous préviens, la vidéo va durer un petit peu longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup. Là, je suis en train de tout sortir. Et c'est pas encore terminé. Alors, voilà. Et merci aux normalement 38 abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne. Merci. Et continuez, comme ça, on aura notre petit hamster. Tic-tac. Voilà. Alors on a encore. Voilà. Normalement, je pense que c'est bon. Alors voilà, on va commencer. Alors en fait, des bébés pâte chimo, c'est des bébés, mais en fait un personnage. Je vais vous montrer. En fait, la pâte chimo, c'est comme de la pâte à modeler, mais qu'on doit chauffer dans le four, dans un four, et ça va devenir une pâte toute dure qu'on ne peut plus casser. Comme là. Ça, c'est un bébé simple. Il n'y a pas de personnage. Alors, c'est un bébé tout simple. Et je vais vous montrer les bébés que nous, on a fait. Il y en a qui sont bizarres. Il y en a qui sont beaux. Mais je vais vous montrer nos tout premiers qu'on a fait nous-mêmes. Et après, je vais vous montrer ce que juste après on a fait. Voilà. Ça là. Ouf. Voilà. C'est pas nous. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on en a notre tout premier. Vous allez rigoler, mais en fait, il est trop moche. Nous au début on a créé la pâte chimo, c'était de la pâte à modeler. Alors on a fait avec de la pâte à modeler. Ne faites jamais ça avec de la pâte à modeler. Regardez comment il est devenu. Il est devenu tout bizarre. Mais bon, celui-là, comme c'est notre premier, on le garde, mais bon. Après ma soeur elle a essayé de faire la fée clochette. Il est comme ça. Mais celui-là aussi est raté. Après, normalement, ça doit être ma soeur qui essaie de faire Mickey. Celui-là est quand même un petit peu bien réussi. Il est mignon. Elle a fait aussi celui-là, mais il manque son chapeau. C'était une bretonne, avec le grand chapeau là. Et après, on a un que ma maman a fait.
c'est la Schtroumpfette. Elle a des cheveux qui brillent. Elle est trop belle, la Schtroumpfette. Et après, il y en a deux que c'est moi qui a fait. Celui-là. C'est une fille normale. Et celui-là. Et ça aussi, c'est une fille normale. En fait, c'est en forme de robe. Et j'ai même fait une petite culotte. Là. Voilà. Et après, on va vous montrer... je vais vous montrer jusqu'au plus beau. Je vais tout vous montrer. Alors là, ça, c'est pas nous qu'on les a fait. Mais on va vous montrer tout de suite les lanternes. Alors, on a une lanterne. Non, maman, il y en a une en haut, mais j'arriverai pas à l'attraper. Je vais vous montrer après. Alors, c'est la Reine des Neiges. C'était pour ma soeur. Après, on a ça, c'est pour ma maman. C'était comme une mariée, mais en bébé. Celle-là aussi, elle est belle. Sa robe, elle est pleine de paillettes et tout. Trop belle. Et c'est une lanterne. Je vais vous montrer. Hop. Là, si j'appuie sur le mauvais bouton, ça va pas aller. C'est bien une lanterne. Celle-là aussi, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges aussi, c'est une lanterne. C'est deux lanternes. Elles sont trop belles. Je vais les éteindre parce que sinon, ils n'auront plus de piles. Alors, on en a un. Oups. On a une lanterne. C'est à mon frère. Ben, c'est à mon frère, mais non. Mais en fait, c'est un... Il s'est décollé. Mais c'est un... Ah, un tortue ninja. Et c'est Léo. Comme c'est le tortue ninja de mon frère. C'est aussi une lanterne. Ça l'aime aussi. Comme c'est le tortue ninja que mon frère aime bien, qui s'appelle Léo, et ben il aime bien. Après, on a un marin. Il est beau si c'est aussi une lanterne. Et après, on a comme des petits flacons de plumes et c'est des anges. En fait, là, on en a un bleu et là, on en a un rose. Voilà. Alors, je vais vous montrer, c'est bien dur. Hein. C'est, on peut pas le plier, ça peut pas se casser. En fait. Regardez, je peux le tomber, ça se casse pas. Après, on a un cadre avec la photo de mon frère et c'est mignon. Voilà. Après, on a un chef. Après, on a une belle fille là. Elle est trop mignonne. Après, on a beaucoup de marins. Parce que ma mère, elle aime beaucoup les marins et tout. Alors, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est là-bas. Marin, 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 marin. Alors, là, on a un marin. Garçon. Après, là, on a des bouées. Une bouée là, une bouée là. Après, on a un marin. Une marine, je pense que ça dit comme ça. Après, un marin. Je vais vous montrer tous les garçons. Encore un. Après, il y en a encore un. Il y en a encore un. Après, il y en a encore un. C'est que des garçons, là. Et après, on a trois filles. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Après, on a des personnes de Disney. Alors, déjà, il est trop mignon celui-là. C'est Olaf. Alors, il y a sa carotte ici. Il est trop mignon avec ses petits boutons. Désolée. Après,
on a deux personnages de Toy Story. Celui-là et celui-là. Le cowboy. Les deux cowboys. Je m'en rappelle plus de leur prénom. Oh non! Oh! C'est Sandy et Sandy, je m'en rappelle plus, désolée. Si vous rappelez, dites-moi en commentaire. Celui-là, c'est un schtroumpf. Ma mère a essayé à faire la schtroumpfette, il est aussi bien fait. Et ça, c'est le personnage préféré de ma maman. Elle aime trop. C'est Tigrou. C'est le meilleur fait, je trouve. Tigrou. Et comme mon frère, il aime bien Pat' Patrouille. Je sais pas si elle aime encore, mais il aimait bien Pat' Patrouille. Elle lui a fait un Pat' Patrouille. Voilà. Et après, aussi, on a de la guerre. Alors, il y a celui-là. Il est aussi bien fait avec sa casquette. C'est tout plein de petits points. Et après, on en a un comme ça. Et c'est aussi la guerre. Voilà, bah elle est terminée la vidéo. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous juste en bas. Et bah, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez des petits commentaires, partagez, laissez des pouces. Et dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Et abonnez-vous surtout. Je vous rappelle encore pour notre hamster, s'il vous plaît. Alors, je vous aime et bye bye.